Salut tout le monde, ici Smashou. On se retrouve pour une petite session Smashdown, toujours en UU. Pour l'instant, aucun changement sur l'équipe par rapport à l'épisode précédent, parce que j'ai pas eu le temps d'étudier un peu l'équipe, donc voilà. On va continuer comme on était. Non, pas OU, s'il te plaît. UU, merci. Voilà, on peut partir. J'ai mis un petit peu de musique, dites-moi si vous préférez avec ou sans musique. On va éteindre la musique de Showdown. Look for a battle. Allez, c'est parti, on y va. Petit t-shirt Sonic. Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Bon, comme d'hab, il y a pas trop de combats hein, le matin. Il est 8h57 là. Allez. Let's go. Notre adversaire Emma à Dardarian, comme nous, hein. Fortress comme nous, Moyade, Pijako, Tranchodon et Motisma Four. Avec quoi on valide? Il a un spinner, il a un Pokémon qui retient les pics toxiques. J'ai envie de lire avec Voltar. Émotissement premier. Si ce truc est Scarf, c'est chiant. Là, soit il est Scarf et Voltali. Oh non, remarque, on a. Oh, mais s'il fait surchauffe, on est mal. Par contre, si on envoie Goudran, on est bien. Bon, on va voir. S'il est Scarf, j'ai pas envie que Voltali se prenne un grand coup. Volt Switch, ok. Le Tranchodon. Alors Moyade, on a besoin. Enfin, pas Moyade, mais Goudra. Ok, colère. Ok, ta mère. Pourquoi il a Pico? Ah oui, c'est normal. C'est notre... Attends. Je bug parce que hier, j'ai joué Fortress sur DS. Une rangée de Pico. On va le toxifier, ce truc. Taunt. Ok. Où il nous provoque. Là, c'est un peu chiant. C'était pas une bonne idée de rester avec avec Meplodocus. On aurait dû switch sur Fortress direct. C'est vrai, mais bon. Donc là, j'ai fait vol switch. Hein. Je pouvais aussi faire tour rapide, mais bon. Bon, au moins, on aura placé une rangée de Pico qui touche tout dans son équipe, sauf le Motisma Chaleur et le Pijako. Il envoie Motisma. Ok. Ah, du coup, on aurait vraiment dû garder mes Plodocus. On est vraiment des sous-merdes. Ah, notre adversaire a été déconnecté. Secondes. Tiens, en parlant de déco hier, j'ai fait un super match UU. Je me suis dit, tiens, je vais le commenter sur ma chaîne, tout. Sauf que mon adversaire a déco, a rage kit. C'était quoi son pseudo? Le Denis. Dédicace à toi. Hein. Vraiment chiant, ça, les gens qui rage kit. 40 secondes. Dépêche-toi, Emma. Pardon. Bon, 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe? En plus, il était bien parti, notre adversaire, là.
20 secondes, 10 secondes. Mon castor, il est pas content. Ok. On cherche un autre combat, les amis. J'ai l'impression que le matin c'est pas très réactif. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est international, donc avec les décalages horaires il devrait y avoir du monde. Je sais pas. Allez. Alors, un Dardarian, encore. Un Donphan, un Maconure, un Nidoking, un Arbok et un Loclass. Deux types sol quand même, c'est assez chiant pour Voltali. À côté de ça, qui pourrait nous faire chier? Bah, Maconure en lead est chiant. J'ai envie de commencer avec Nyarlathotep. Nidoking, ok. Je vais envoyer Diplodocus. Je suis pas hyper satisfait de Tu tant qu'à faire pour l'instant. Il a pas de type fée. On peut bourriner avec Dracométéor. Ça en va Loclass. Ok, il prend pas grand chose. Même tonnerre fait pas grand chose. Ah, d'accord. Clonage dans ce Draco. Attendez, il y a mon réveil qui sonne, les amis. Voilà. Ta gueule le réveil. Il a fait chute glace. Non, lyophilisation. On va rester, faut qu'on casse son clone en fait. Toxique, ok. Ouais. Putain, je suis pas du tout dans les matchs là. J'ai fait tonnerre. Même si on s'attend à un switch, j'ai pas envie qu'il refasse un clone. Ah, je sais pas. Peut-être que puissance cachée glace, c'était le truc à faire. Il a peut-être pas envie de perdre son Loclass tout de suite. Ouais. Ok. Je bourrine. J'ai envie de bourriner. Il va sûrement placer les pièges de rock. Adieu d'enfant. Alors, qui va envoyer? Peut-être Arbok pour avoir Kuba. Ou alors il va envoyer Dardarian pour faire abri et méga évoluer tranquillement tout en m'infligeant des dégâts de brûlure. Doking. Bah je continue puissance cachée. Il est plus rapide. Gros dégâts. J'en avais plus d'Ocus pour balancer un Dracométéor une fois de plus. Qui rate? Ça c'est chiant. L'avantage c'est que nos tonnerres lui font plus mal. Il nous tue pas. Le poison non plus. Donc là on peut refaire tonnerre. Il switch à Nidoking. Bien joué.
Bien joué de la part de notre adversaire. Allez, Snowhorn. Ça me fait chier de casser la ceinture force, mais bon, on a besoin de la priorité, là. Quelle classe. Séisme. Adieu low class. Maintenant il a ma cogneur. On va venir la totep. On va lui retirer son talent. Bien vu. Le sabotage. On peut faire balance. Ok. Si tu veux. Ah, coup critique. Le traversaire est en train de prendre l'avantage là petit à petit, j'ai l'impression. Arbok, je connais pas du tout Arbok. Ça va être le moment de spinner. Ouais, Dynamo au point. Qui nous rend confus. Évidemment, on se tape. Sabotage, si tu veux. Ouais, je veux juste spinner. Il n'y a pas point feu, ce truc, apparemment. On va le toxifier. Si on peut. Ok. Toujours ça de prix. Bon, il nous tue. Ah ouais, on est dans la merde, hein. Ouais. On est obligé de sacrifier ma mochon. Pour envoyer Zombie la mouche. Non! Waouh. Je voulais faire abri. Heureusement que demi-tour tue. Et ils nous intimident, ça c'est chiant. Enroulement. Ouais. Bon, j'espère qu'il va pas en refaire un autre. Parce que là c'est GG. Hein. Sauf qu'un coup critique. GG. Bon, vraiment pas fameux, on va en chercher un autre. Let's go. Ou pas. Blizzard Roi, Cocotine, Motisma Four, Tentacruel et Cobaltium. Je dis Exobi. Bon, on va méga évoluer, se protéger. Lui, on va voir ce qu'il veut faire. Feu follet. Il est peut-être scarf, ce truc. Je vais envoyer Voltar. Comme ça, s'il nous brûle. Voilà, on est bien. Parce que on a pied véloce. Donc là, on a profité du feu follet adverse. Hein. J'ai envoyé Roll. C'est ici, d'accord. Faire toxique. Ah merde, il envoie Tentacruel.
ébullition, qui brûle pas. Je l'ai fait changer clair. Je vais mettre la pression avec Snowhorn. Et la corgelle, ce truc, d'accord. Je vais placer mes pièges de rock. Notre adversaire Switch envoie Motisma. Très bien. Envoyez mes Plodocus. On se doute qu'il est vraiment Scarf, ce truc. Surchauffe qui fait rien. Là, ça va switcher. Sûrement sur Tentacruel. Je vais réenvoyer Snowhorn. Ok. Sur Cocotine. Si tu veux. Bonjour. Fais chute glace. 34%. Ok, donc il est full défense. Ok, distorsion, vœu. Distorsion, vœu. C'est pas trop optimal ça, puisque tu perds du temps de distorsion avec tes vœux. D'accord, juste pour envoyer Rotom. Ok. Ok. Bon. Vol switch. Ok, il s'est attendu à notre switch, forcément. On a peut-être dû rester avec ma mochon, ça aurait été sympa. Alors, qui va nous envoyer? Cobaltium. Ok. On va être plus rapide, je pense. Avec la distorsion. Ok. Il a abandonné. Voilà, un petit GG. Et on va chercher un autre match, les amis. Let's go! Alors. Pangoléon. Moyade, Suicune, Tentacruel, Marest et Sharpedo. Donc, une monotype eau. Donc, on valide doucement avec Voltali. Et faire tonnerre. Lui nous brûle très bien. Puisqu'on a pied véloce. Et on va faire Balombre parce que ça tue. Et en même temps, en cas de changement sur Marest, on tape. Voilà, le Marest. Qu'on tape. On baisse sa défense spéciale. Ça, c'est bien. Je vais venir à Altotep. Sur un séisme. Et on va brûler quelque chose. Qu'est-ce qu'on va brûler? Le Pangoléon. D'accord. Il a Tentacruel pour retirer les pièges toxiques. Enfin, les pics toxiques, pardon. Les pièges toxiques. Il place ses pièges de rock. On va faire des balombres. Vraiment l'entamer le plus possible. Sabotage. Pas grand-chose. Il a perdu son talent acharné. Il gagnera pas contre Nyarlathotep. Hein. Clairement, là. Ah, brûlure. Ah, ça, c'est chiant. Ça, c'est relou. 12%. Hein, 19 avec les restes, donc la brûlure tue pas. Ouais. Allez, on... Il replace... D'accord, il relance piège de rock. Ok. Pourquoi pas une ébullition? Pas compris. Peut-être en cas de balance. S'y attendait peut-être. Le Sharpedo abri, ça va être chiant. Si c'est son méga. Il faut qu'on spin.
Méga évolution, Machouille, qui fait mal. On arrive à spinner, ça c'est bien. Vol Switch. Ah, le Vol Switch qui fait mal. Bon, avec la glace, tu auras pas comme priorité. Donc on va faire séisme. Notre adversaire qui rage parce qu'on a fait deux crits. Ouais, mon gars. Il nous sabote. On va faire des tonnerres. On le paralyse. Il va encore plus rager. Il rage alors que lui il a du axe aussi quoi. C'est le jeu mon gars. C'est le jeu mon petit gars. Arrête de rager. Plénitude. Là, je veux vraiment l'amener au minimum de vie. Parce qu'il va faire des plénitudes, de toute façon, il va attendre qu'on crève du poison. Ah, j'ai du mal ce matin. Repos. Youpi. Je déteste ce set de Suicune. Vraiment. Ouais, le mieux c'est qu'on envoie Voltar faire des gros tonnerres. Faire le plus de mal possible. Ouais, il a eu un crit. Voilà, hop. J'aime pas ces joueurs comme ça. Non mais Sleep Talk. C'est une chance sur 3, mec. Les mecs qui passent leur temps à se plaindre. Il y en a beaucoup dans Pokémon, hein, franchement. Stockage, non mais le mec. J'anticipe un peu le stockage là, ce qu'il a pensé à abri. Même pas. GG, même si t'es un peu un rageux mec. Allez, on cherche un dernier combat. Après on va s'arrêter là. Alors, Junko, Pangoléon, Brésillon, Simiabraz, Scorplan et Voltali. J'aime bien cette équipe. Elle est plutôt cool.
Le Brésilien va faire chier avec El Bourrasque. Il a rien pour tirer les pics toxiques. Il a 1, 2, 3 qui les prennent. On va commencer avec tiens la totep, ça va changer, tiens. A tenter de brûler son truc. Taunt. Ok. Demi-tour. Ringoléon. Ou critique. Épaisse de défense spéciale. On a du Axe. Bah, je continue du coup. Bon, lui aussi, il nous brûle. On n'a plus la provoque. Je vais placer une rangée de pics toxiques. Il renvoie son score plane. Ok. Il nous taunte encore, je vais refaire balle ombre. Ce coup-ci. Ouais, je continue. Il fait des séismes. Et bon, bah, on va sacrifier Nerald Totep de toute façon. Atterrissage. On n'est plus taunt. Est-ce qu'il va refaire taunt? Je pense que oui. Allez, chute glace. Il envoie Pingoléon. On va faire séisme. Ballon, d'accord. Ok, ok. On va lui, au moins lui filer Momi. En sacrifiant Nerlatotep, c'est toujours ça de prix. C'est une très bonne équipe apparemment hein, en face. Enfin ça a l'air. Hein. Voilà, je place les pièges de rock. Il va faire Mac Punch enfoiré. C'est sûr. Omega évoluer et se protéger. Putain, j'ai du mal à jouer ce matin. Ça switch. On va le saboter. Lui fait demi-tour. Ok. Pour l'instant, notre méga Dardarian est en bon état. Alors là, soit il fait dans slam, soit il nous tue. Demi-tour. Cool. On a bien vu le... On a bien anticipé l'anticipation de notre adversaire. Donc ça, c'est cool. Et il renvoie Scorplane. Demi-tour, ça tue, d'accord. Ok, qui on peut envoyer? On va envoyer Voltar, histoire de se brûler. Hop, orbe flamme, comme ça on est très rapide. Et le Brésilien peut pas nous faire grand chose. Par contre, il a Voltali. Hein. Il joue sûrement le sien Absorb Volt. Ah, le Voltali. Ok. On va faire Ballombre. Et lui fait pareil. On prend plus que lui. Donc il est peut-être veste de combat son truc. On va envoyer Diplodocus, il n'y a pas de raison qu'on ne l'envoie pas. Il peut pas vous faire grand chose.
je m'attends vraiment au Pingoléon. Donc on va faire Tonnerre. C'est cool, puisque lui fait Volt Switch pour le retirer et envoyer autre chose qui va se prendre un Tonnerre. Hop là, Pingoléon, bonjour. Boum. Faire déflagration. C'était vraiment en cas de re-switch sur Voltali. Je pense qu'on est mieux à faire déflagration. Junko, d'accord. Crado vague. Ça méga évolue. Dragon Pulse qui tue pas. Parce qu'on est veste de combat. Et Crado vague. Coup critique. Aïe 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 aïe. Adios. Ok, Voltali qui peut rien nous faire. Ouais, puissance cachée si tu veux. Coup critique, ça tue pas. Beaucoup de coups critiques aujourd'hui, hein, que ce soit de mon côté ou des côtés des adversaires. Alors lui, par contre, il fait chier. Parce qu'il y a toujours son ballon. On va sacrifier Goudra. Il fait Mach Punch, ok. On va casser son ballon au moins. Avec Vol Switch. Boum. Fermeté. Il prend tellement cher. Et on envoie Voltar, on est bien. Ah non, bah non, on est peut-être pas bien vu qu'il a Mach Punch, je suis con. Je suis vraiment un teubé, on en va sacrifier Roll. Ah, j'ai mal joué là. Je voulais envoyer Mamochon. Mais non, je suis con. J'ai vraiment du mal à me concentrer aujourd'hui, hein. Décidément. Vraiment beaucoup de mal. Voilà. Et là, son Brésion est mort. De toute façon, on a les pièges de roc. Donc, GG. Hop là. Voilà, les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai eu un petit peu du mal à jouer. Mais bon, ce sont les aléas de la stratégie Pokémon. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits likes pour plus de Pokémon Showdown. Je pense que je vais bien modifier la team pour la prochaine session. Peut-être changer le corps défensif. Je vais voir. Peut-être qu'on va aussi changer de tiers. Je sais pas, on va s'amuser. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Jouez les Pokémon que vous aimez. Et amusez-vous bien. Salut à tous.